Salut à tous, c'est Tony. Regarde ce que je vais te présenter vite fait. J'ai trouvé ça récemment chez mon fournisseur. Un bouchon 3 quarts mâle, demi 3/8. Ça, c'est tip top pour ça. Tu vois là, du coup, c'est du demi dedans. Du coup, j'aurais juste à visser ça. Tic, 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 tic. Là, tu le mets. C'est du plastique, ça craint rien. Ça coûte 2 balles. Je crois que j'ai dû payer 3 euros les deux, tu vois, ça va rien du tout. Et du coup, regarde, tu peux mettre ça là. Si t'as une attente en 3 quarts, tu peux boucher comme ça. Et franchement, c'est super. Et tu vois, moi souvent, là, je mettais du. Là, du coup, j'ai du spec. Bon, c'est pas grave, là, je vais l'enlever celui-là. Et tu vois, ça, du coup, c'est vraiment bien là. Là, sur ça, c'était pas possible parce que ça sort en mâle. Mais il existe le même en femelle. Et du coup, tu peux rentrer le 3/8 dedans. Et pareil, tu vois, sur la baignoire. Tac, tac. Donc je sais pas comment ça s'appelle, mais franchement c'est super pratique et je regrette pas de l'avoir acheté. Tu vois, je l'ai essayé, regarde, dedans t'as même une clé 6 pans, ou BTR pour les vieux. Pour venir le serrer dedans comme ça, sinon là tu peux le serrer comme ça. Donc c'est des bouchons en plastique. Allez, salut à tous, c'est Tony.